Bonjour à vous. Je me présente Julie Laine, professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Bienvenue à cette deuxième capsule qui vise à vous partager des outils accessibles pour mettre en place des actions en promotion de la santé mentale et prévention de l'anxiété dans les milieux scolaires et milieux communautaires. Je vous invite d'abord à vous rendre sur le site Internet du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Le coffret Bien-être regroupe l'ensemble des outils qui visent à encourager les enfants, les adolescents, les jeunes adultes à prendre soin de leur santé mentale. Par exemple, ils pourront y trouver une liste de stratégies pour apprivoiser leur stress. Un guide de présence à soi pour découvrir les bienfaits de la pleine conscience. Une série vidéo bien ensemble et avec soi pour s'aider à se sentir bien avec soi-même et avec les autres. Le coffret propose également au personnel enseignant, aux directions d'école et aux intervenants et aux parents des outils concrets pour favoriser le bien-être des jeunes qui les entourent. Par exemple, ils pourront y retrouver une fiche pour outiller un jeune dans la gestion de son stress et de son anxiété, une série de capsules qui permettent de mieux comprendre ce qu'est le stress et l'anxiété et d'accéder à des outils pour aider un jeune à faire face à son anxiété, et également un guide pour accompagner un jeune lors de sa transition du primaire au secondaire. Je vous invite ensuite à explorer la section du site qui propose des outils pour accompagner les jeunes qui présentent de l'anxiété. Vous y trouverez plusieurs informations sur l'anxiété, sa prévalence, ses manifestations, les facteurs qui l'influencent. Vous y trouverez également une panoplie d'outils pour accompagner les jeunes, dont un guide sur la pleine conscience, des méditations guidées et plusieurs capsules et fiches d'intervention. Je vous invite également ensuite à explorer le casier hors-piste. Ce casier s'adresse en premier lieu aux élèves qui suivent le programme hors-piste au secondaire, mais il peut parfaitement être utilisé par des intervenants comme vous qui souhaitez sensibiliser les jeunes. Le casier regroupe les outils essentiels qui s'adressent aux jeunes qui souhaitent mieux composer avec leur anxiété. Les jeunes pourront y retrouver des vidéos ludiques et éducatives sur différents thèmes, dont le stress, l'anxiété, les émotions, l'estime de soi, la pression sociale. Les jeunes pourront également y retrouver plusieurs feuillets d'information, des quiz. En conclusion à cette capsule, si vous souhaitez vous outiller davantage pour mieux prévenir l'anxiété chez les jeunes du secondaire, je vous invite à regarder la troisième capsule qui présente le programme hors-piste au secondaire.